Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Lella Soumia Naaman Gsous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Nous avons intitulé cette émission « Vive les femmes ». Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un simple slogan ni un cri d'enthousiasme, c'est aussi un constat de réalité. Aujourd'hui, les femmes au Maroc s'affirment, bougent, en veulent, dans tous les domaines, dans la famille, dans la société civile, dans le travail, dans l'émigration. Elles rencontrent sur leur chemin beaucoup d'obstacles. On devine d'où ces obstacles viennent, de la mentalité archaïque, patriarcale. Nous allons parler de tout cela. Vous êtes bien placé pour répondre aux questions que nous nous posons au Maroc sur la question des femmes. Vous êtes sociologue, vous êtes depuis toujours une militante de la cause féminine. Vous avez publié en 1988, si ma mémoire est bonne, un best-seller qui a été édité 10 fois. Un peu plus. Un peu plus. Au-delà de toute pudeur. Un peu plus, ça veut dire quoi ? Au Maroc, on en est à la 14e édition. 14e édition. Oui. Vous avez le chiffre des ventes, par hasard ? C'est rare au Maroc. Un petit peu plus que 5000 exemplaires au Maroc. C'est tout ? Pour un best-seller ? Bon, les gens ne le lisent pas beaucoup. On ne dépasse généralement pas les 4000 exemplaires au Maroc. En tout cas, vous êtes bien placé pour parler des questions afférentes à l'égalité entre les deux sexes. Ma première question est très simple. Comment allez-vous ? Comment vont les femmes ? Comment vont nos femmes, nos filles, nos sœurs, nos mères, nos épouses ? Est-ce que ça bouge vraiment au Maroc ? Alors, comment je vais, moi ? Je vais bien. La preuve, c'est que je suis une femme marocaine invitée sur un plateau face à un homme. Mmh. Ça prouve que la femme a fait beaucoup de chemin. Si je suis là, c'est que nous avons fait beaucoup de chemin. Comment vont les femmes marocaines ? Elles se portent de mieux en mieux. Elles sont battantes, elles prennent de plus en plus de responsabilités. On les trouve partout. Elles fournissent beaucoup plus d'efforts que, assez fréquemment, les hommes ou les garçons à âge égal pour pouvoir s'imposer. Elles ont investi l'espace public, les postes de décision. Maintenant, reste encore à faire, puisque bon, malgré tous les efforts qu'elles déploient, on peut remarquer qu'elles vivent dans un environnement qui n'est pas totalement favorable à leur émancipation. Est-ce qu'on peut dire que la réalité est contrastée, mi-teinte ? Oui, oui, elle est contrastée. C'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Oui, tout dépend des contextes, oui. Donc des bonnes et des mauvaises nouvelles. Exactement. On va commencer par les bonnes. Si vous voulez. Bon. Qu'est-ce qui est bon ? La Moudawana, j'imagine. Oui, très important. La Moudawana a été une... En 2004. Mmh. Ça a été une réforme, il faut le dire, assez révolutionnaire, qui constitue une plateforme démocratique et équitable qui peut permettre aux femmes de défendre leurs droits. Et quand on parle de femmes, on oublie très souvent que la femme est inclue dans la famille. Et quand on parle de femmes, on parle également de relations hommes et femmes. Donc la Moudawana a apporté une justice. Même bon, si elle n'est pas toujours appliquée, peut-être qu'on en parlera pour les mauvaises nouvelles. Mais disons qu'elle est là, elle a permis aux femmes de pouvoir se défendre. Elle a permis surtout, surtout de replacer le couple et de donner la femme, à la femme, à l'épouse, la place qu'elle méritait au sein du couple, c'est-à-dire une place équitable. Le couple est situé entre, sur la une responsabilité équitable de l'homme et de la femme. Donc, sur le plan légal, il y a cette percée qui s'appelle la Moudawana. Exact. La fécondité. Il y a un recul significatif. On est à 2,1 ou 2,4 enfants en moyenne par femme, alors que dans les années 60, c'était en moyenne 7 enfants par femme. Ce qui est assez significatif, ce qui prouve que la femme maîtrise son corps et qu'elle n'est plus cet appareil à produire, qu'elle a d'autres rôles dans sa vie. C'est énorme, parce que ce genre de progrès en Europe, il a fallu des siècles, 2 siècles, 3 siècles, pour arriver à des chiffres de ce genre. Oui, il faut dire que toutes les mutations sociales ont été très très rapides dans notre société. Effectivement, nous avons réalisé en l'espace de 5 décennies ce que l'Occident a réalisé pratiquement en 1 siècle et demi. Parfois davantage. Et ce qui est important là, c'est que même au fin fond du rural, les femmes ont pris conscience du fait que leur santé et leur beauté était lié à la limitation du nombre de grossesses. Ce qui est extraordinaire, c'est d'habitude, ce genre d'évolution dans la fécondité se faisait grâce à l'école. Au Maroc, l'école, nous avons un retard important. Et c'est par le travail que ça s'est fait.
Par le travail, mais il faut dire aussi que l'une des politiques qui a le mieux réussi au Maroc a été celle de la planification familiale. Mmh. Et si, effectivement, elle se fait par l'école, il faut aussi remarquer quelque chose, un phénomène très intéressant, c'est que si les mères n'ont pas eu accès à la scolarité, et si le transfert du savoir et du savoir-faire se faisait de mère en fille, aujourd'hui, au niveau de la limitation des naissances, ça se fait de fille à mère. Mmh. Ce sont les filles qui enseignent leur mère et qui parfois leur achètent la pilule ou leur recommandent de limiter leur nombre de grossesses. Un autre domaine où on voit des progrès, c'est la société civile, le domaine associatif. Oui, oui. Il y a d'innombrables associations féminines. Oui, et les femmes s'impliquent de plus en plus, c'est-à-dire qu'on assiste vraiment à une explosion extraordinaire de l'engagement des femmes dans la société civile, dans les associations. Et on remarque également quelque chose qui est extraordinaire, c'est vraiment un renforcement et l'organisation de la structuration justement des associations qui commence à créer une dynamique et une synergie très intéressante puisqu'elles commencent à se créer également, à s'organiser en termes de réseau. Mmh. Ce qui fait qu'elles prennent beaucoup plus de poids, elles sont capables d'influencer l'opinion publique et aussi d'influencer les prises de décision à un haut niveau. Sur la participation politique, il y a aussi une percée. Oui. Dès qu'il y a eu un bon quota, les femmes ont été élues. Oui, moi je prendrai comme exemple les élections communales, par exemple, où le quota a été fixé de 12% et où il a été dépassé par endroit. Et nous avons multiplié le nombre de représentations féminines qui s'est multiplié par 250, ce qui est extraordinaire, avec un phénomène important, c'est que les femmes rurales ont voté de façon beaucoup plus massive que les années précédentes. Donc il y a une prise de conscience, même au niveau chez la femme rurale. En ce qui concerne le couple, les changements positifs, oui, le couple. Il faut toute une émission pour le couple. Oui, le couple, rapidement. Le couple est en train de s'organiser. Vous savez que dans l'arabe dialectal, il n'y a pas un mot pour signifier couple. On parle des époux, mais l'unité, le couple en tant qu'unité, n'existe pas dans le parler, ce qui est quand même significatif. Maintenant, le couple est en train de se constituer parce qu'il se constitue d'un homme et d'une femme qui se sont choisis, qui ont des critères. Voilà, c'est les choix. C'est le choix. Donc il y a des critères de choix, premièrement. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que la femme, aujourd'hui, a un idéal du couple qui peut être différent de celui de l'homme. La femme a pris des responsabilités extraordinaires. Les partages des rôles ne sont pas équitables. Mais c'est quand même une situation qui joue en faveur des femmes parce qu'elles sont en train de prendre du pouvoir, elles sont en train de prendre du poids, elles sont en train de prendre du poids même au niveau de la prise du pouvoir, pas la prise du pouvoir, des décisions au sein du couple. Mmh. Et elles veulent se libérer de la belle famille, de la belle-mère. Et donc, on est en train de tendre vers le couple nucléaire, effectivement. L'immigration, un chiffre très, très important. Oui. Un émigré sur deux est une femme. Exact. Ce qui est énorme. C'est énorme. Et alors, ils immigrent, pas dans le cadre du regroupement familial, mais pour travailler. Oui. C'est la femme qui part et qui envoie l'argent. Exact. Bon, c'est peut-être positif dans la mesure où ça donne à la femme le moyen d'être autonome, entre guillemets, financièrement, de s'émanciper, de quitter son cocon familial pour aller au-delà des frontières, ce qui prouve qu'il y a une liberté de mobilité extraordinaire. Les femmes prennent beaucoup de poids, c'est sûr, parce qu'elles deviennent pourvoyeuses ou soutien de famille ou complément dans les budgets. D'un autre côté, il faut remarquer, bon, il y a une exploitation des femmes. Il faut aussi remarquer qu'elles prennent du poids dans la famille parce qu'avant l'immigration, des femmes se faisaient à travers des frères, des époux. Or, nous assistons actuellement à un phénomène qui est celui de femmes qui vont immigrer et qui, elles, vont donner des opportunités à leurs frères, cousins, etc., ou maris pour aller vers l'immigration. Donc, il y a une exploitation, mais je dirais que c'est incontournable parce que les femmes, quand même, sont en train de s'imposer de cette manière. Dans le boulot, dans le travail, on voit qu'il y a un changement aussi. Oui, oui, on voit que les femmes, il n'y a pas d'obstacle, elles en veulent, elles sont très assidues quand elles font des études. Elles sont dans une situation plus ou moins avilie, et c'est une situation finalement qui aujourd'hui joue en leur faveur, parce qu'elles fournissent beaucoup plus d'efforts pour prouver qu'elles existent et pour prouver qu'elles sont tout autant capables que le frère, sinon plus. Elles sont même davantage appréciées. Je me souviens, il y a plusieurs années, une remarque d'un patron de banque, Abdelaziz Alami, pour ne pas le nommer. Oui. Il recrutait beaucoup de jeunes femmes, mais j'avais posé la question entre un garçon et une fille, à qualité égale, vous recrutez quoi? Il m'avait dit une fille, parce qu'elles sont travailleuses, c'est vrai, plus loyales, et en plus, elles sentent bon. C'est vrai.
Elles sentent bon, oui. Mais elles sont très appréciées dans le boulot. Elles sont appréciées parce que, bon, elles fournissent beaucoup d'efforts. Mm-hmm. Elles sont moins capricieuses au travail. Et puis, il me semble qu'elles endossent beaucoup plus la responsabilité de la famille dans le cadre quand elles sont, par exemple, elles aident leur famille. Et donc, elles sont moins capricieuses, elles tiennent plus à leur poste. Et ce qui est sûr, c'est qu'elles sentent que pour se valoriser, pour être reconnues, elles doivent en faire plus. Et ça joue en leur faveur. Mais dans le ménage, il y a une répartition des tâches qui se fait ou pas? Non, absolument pas. Est-ce que les hommes font la vaisselle? Non, l'homme moderne... Est-ce qu'il longe les bébés? Ouh là là, non. Du tout pas. Ça se fait de plus en plus. Je vois des cas autour de moi. Ça se fait de plus en plus au niveau d'une certaine, on va dire, au niveau d'une certaine classe sociale. Mais l'homme marocain considère encore que les tâches ménagères sont des tâches basses, qui sont l'exclusivité des femmes. Ça commence à évoluer parce que les femmes refusent actuellement, surtout lorsqu'elles travaillent, elles refusent d'être modernes hors du foyer et de devenir épouses traditionnelles, chose dont rêvent encore énormément les hommes. Alors, les jeunes couples, dans les jeunes couples, effectivement, quand la femme fait de la pression, l'épouse fait de la pression, on va voir des jeunes hommes, des jeunes papas, donc qui vont s'investir dans le foyer, mais attention. Il y a certaines pratiques qu'ils vont faire, ils ne vont pas passer jufafa, ils ne vont pas longer l'enfant quand il a fait ses besoins, ils vont dresser la table, débarrasser la table. Ils font un choix, mais c'est quand même une étape qui est transitoire et qui est positive. Passons aux mauvaises nouvelles. Ah. On va commencer par Mdawena, elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas totalement appliquée, malheureusement. Elle n'est pas totalement appliquée parce qu'il y a un problème de procédure qui ne sont pas ficelées. Je pense qu'il va vraiment falloir travailler sur ces procédures. Il y a aussi le fait que la Mdawena a laissé beaucoup de latitude aux juges, qui fait que les jugements ne sont pas toujours équitables et qui peuvent différer ça pour varie. Un même cas. Mm-hmm. Voilà, d'une région à une autre, on dirait d'un tribunal à un autre, d'un juge à un autre. Les filles mères, protégées, pas protégées par la Mdawena? Non, absolument pas protégées. C'est un grand tabou, là. Et là, vous venez de parler d'un phénomène qui est d'une très, très grande ampleur et qui ne peut que continuer à s'intensifier dans les années à venir. Donc, c'est vraiment le grand tabou que j'ai essayé de casser, pas toute seule, que les associations et les réseaux essayent de briser. Il y a beaucoup de travail qui est fait au niveau de la société civile pour prendre en charge ces filles mères, les soutenir. Maintenant, tout ce qui est campagne de sensibilisation, tout ce qui est éducation sexuelle, tout ce qui est prise de conscience, faire prendre le jeune homme, l'informer de manière à ce qu'il sache qu'il a une responsabilité dans l'acte sexuel, ça, c'est quelque chose sur laquelle il faudrait encore travailler sans hypocrisie. Le mariage précoce? Le mariage précoce est encore un phénomène. La Mdawena le fixe à 18 ans. À 18 ans, mais il faut savoir qu'il y a énormément... Des dérogations. Il y a des dérogations pour l'année 2009 seulement. Il y a eu 40 000 dérogations qui ont été accordées. Nous parlons surtout du milieu rural, nous parlons surtout des zones suburbaines, surtout rurales, où les petites filles continuent à être mariées à partir de 13 ans, jusqu'à 17 ans. C'est réellement un phénomène et ça pose des problèmes dont on n'est même pas conscient, parce que quand on parle de mariage précoce, il y a une violence, il y a un manque de sécurité en cas de rupture, et il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de filles mères qui se sont retrouvées mariées religieusement, si vous voulez, mais voilà, même pas par la doule, le urf, zawaj urfi, seulement par la fatiha, etc. Une union traditionnelle, juste par la fatiha, la lecture de la fatiha, le douer et l'ishar, donc la publication, la publicité autour du mariage. Et une fois qu'il y a une rupture, qu'elles sont chassées, elles se retrouvent enceintes, sans reconnaissance de paternité. Alors religieusement, leur enfant est légitime, et pour finalement la loi, il ne l'est pas. Et ça pose des conséquences, enfin des dramatiques. La pension alimentaire n'a pas encore été... Après le divorce, pour les enfants, n'a pas été totalement réglée. Parce que beaucoup de pères n'ont pas les moyens, même quand ils sont de bonne foi, ils n'ont pas les moyens de verser cette pension alimentaire. Donc il peut y avoir une contrainte par corps et un emprisonnement, mais ça ne règle pas le problème. Et ce que je voulais dire par rapport à la pension alimentaire, si vous permettez, c'est que quand une femme est mariée et qu'elle est divorcée, qu'elle n'a pas de moyens de subsistance et que ses enfants sont majeurs, elle n'a plus aucun moyen de subsistance. Et là, c'est un problème sur lequel il faudrait travailler. Il y a la Mdawena, il y a aussi ce qu'on peut appeler la crise du couple, la crise des relations hommes-femmes. Oui. Les femmes ont évolué beaucoup plus rapidement que les hommes. Elles savent ce qu'elles veulent, elles savent ce qu'elles ne veulent pas. Les filles... Il y a un problème d'éducation parce patriarcal. Oui, ce sont les mères qui utilisent les outils du patriarcat.
pour former le futur garçon et la future fille. Et malheureusement, il faut se rendre compte que majoritairement, les mères continuent à éduquer leurs enfants de façon traditionnelle, leurs garçons, pardon. Et ces mêmes garçons vont rencontrer plus tard dans le cadre du mariage des jeunes filles qui, elles, savent ce qu'elles ne veulent pas. Et ce qu'elles ne veulent pas, c'est la rupture avec le modèle de l'épouse telle que la propre mère. Alors, on se rencontre avec... Là, il y a un décalage. Il y a un décalage. On se retrouve dans un couple où l'homme est très ouvert. Il veut une femme moderne à l'extérieur du foyer, mais il la veut traditionnelle à l'intérieur du foyer. Et avec une épouse qui, elle, veut jouer à la modernité jusqu'au bout. Et donc, ça crée inévitablement des conflits. Et ça crée ce que moi, j'ai appelé une nouvelle forme de violence dans les couples. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a l'amour, il y a tout le reste. Mais disons que le conflit principal est à partir de là. La virginité. La virginité, oui. Toujours un postulat absolu. Absolu. Dans la majorité écrasante des cas, les hommes veulent épouser des filles vierges. Mais avant le mariage, ils exigent d'avoir des partenaires sexuels non vierges pour, bien sûr, vivre leur fantasme. Donc, mais, oui, virilité. La virilité contre la virginité. La virilité contre la virginité, ce qui pose aujourd'hui un problème monstre pour les jeunes filles. L'âge du mariage a reculé. Il est en moyenne de 28 ans pour les femmes. Les femmes ne savent plus du tout comment se comporter vis-à-vis de l'appel de leur corps, les interdits sexuels et surtout l'exigence des hommes. Parce qu'il y a une sorte de crise de confiance, une amertume chez les femmes qui vous disent... Écoute, c'est un dédoublement de la personnalité. C'est une sorte de schizophrénie, oui, une sorte de schizophrénie légitimée par la société. Attention, là, il ne s'agit pas de dire débarrassez-vous de votre virginité ou pas, etc. On n'est pas du tout dans ce schéma. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, en tant que sociologue, j'ai le devoir de constater que l'attachement de la société à la virginité crée des drames et crée des conflits qui ne peuvent pas aider les couples à vivre dans l'harmonie. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les femmes, disons, libérées et l'environnement social qui reste hostile, le harcèlement par exemple? Oui, c'est vrai que les femmes essayent de se libérer, c'est vrai. Mais c'est vrai que l'environnement n'aide pas du tout. Une femme qui travaille, par exemple, qui a des activités le soir, qui va faire des réunions d'affaires le soir, qui a envie d'aller vers des lieux de loisirs, ne peut pas sortir sans être harcelée la nuit, parce que même s'il y a eu toutes ces mutations, et même si les femmes ont occupé l'espace public, elles continuent encore à être perçues comme des proies et comme des partenaires sexuels potentiels, et leur présence ne peut être dans la rue que comme provocation pour l'homme. Et dans la journée, c'est pareil. La drague, le harcèlement sont vraiment quelque chose qui empêche, qui nous, moi je dis, ils nous amputent le droit le plus élémentaire, celui de marcher par exemple dans la rue. Et c'est ce que nous faisons quand nous avons la chance d'aller à l'Occident. Dès que vous êtes dans un pays occidental, la première des satisfactions que vous avez, vous dites, oh, je suis libre, je marche dans la rue. Il n'y a pas une banalisation du harcèlement dans le travail, ce qu'on appelle en Europe la promotion canapé? Si ça a été banalisé, ça existe, c'est sûr, mais je pense aussi qu'on s'en sert pour abattre les femmes. C'est-à-dire que très souvent, quand une femme va déployer beaucoup d'efforts pour réussir dans son travail, on va réduire tout son effort à son sexe. Il n'y a pas un harcèlement à rebours? C'est-à-dire? C'est la femme qui harcèle? Elle commence à harceler, semble-t-il. Elle peut. Mais je pense que ce n'est pas du tout majoritaire. Puisque l'homme n'est pas perçu, n'a jamais été perçu comme l'objet sexuel. C'est la femme qui l'a toujours été et qui continue à l'être dans l'inconscient. Donc il y a encore cette perception de la femme qui a à déconstruire. Qu'en est-il de l'éducation sexuelle? Toujours tabou? Voilà, tabou. Oui, c'est un sujet tabou parce que nous faisons confusion entre éducation sexuelle et liberté sexuelle. L'éducation sexuelle, c'est justement le fait d'apprendre aux jeunes à connaître leur propre corps et le corps du sexe opposé. C'est de leur apprendre également à maîtriser leur corps, l'hygiène, etc. Et c'est un moyen, justement, de donner la possibilité aux filles et aux garçons d'éviter certaines, d'abord de se respecter, de respecter leur dignité et de respecter la dignité du corps de l'autre. Or, il se trouve malheureusement que l'éducation que reçoivent les garçons ne leur apprend absolument pas à respecter ni la femme, ni le corps de la femme. Ça ne passe pas par l'école? Ça devrait passer d'abord par la maison, par le foyer. Et ensuite, ça devrait passer par l'école et ça devrait passer... L'enseignement doit réellement tenir compte du genre
Bon, maintenant, c'est, disons que c'est quelque chose de nouveau. Il y a un débat, il y a des programmes qui vont être inclus au niveau de l'enseignement. Mais il faudrait pouvoir en parler de façon beaucoup moins hypocrite, plus franche et beaucoup plus ouverte. Une question importante qu'on ose à peine aborder, l'héritage. Oui, dès que vous parlez de l'héritage, on vous dit, attention, oui. C'est la levée de bouclier, c'est le Coran. La femme hérite la moitié de la part de l'homme, exact. Mais l'islam est arrivé à un moment où la femme n'héritait pas. Et l'islam, il y a énormément de mesures d'accompagnement que l'on trouve dans les hadiths, dans le Coran, dans le fiqh. Un mot essentiel, c'est que l'homme subvient aux besoins de la femme. Exact. Ce n'est plus le cas. Exact. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas et il se passe des situations vraiment dramatiques parce que, je donne un seul exemple, lorsque le père décède et qu'il laisse par exemple un logement pour la femme et les orphelins, vous avez soit les parents qui viennent pour hériter, soit les frères et sœurs du défunt, lorsque le défunt n'a pas laissé de garçon, donc litigiouté à Sbo, et il arrive des situations dramatiques où on va mettre à la porte la veuve et les orphelins pour pouvoir vendre le seul bien que le défunt a laissé et pouvoir récupérer la mise des orphelins, de ceux, les radigieux, ça peut être les parents, comme les frères, etc. Et donc, alors que l'esprit du Coran dans le partage de l'héritage était de protéger la femme, en exigeant justement que l'homme pourvoie aux besoins des femmes, aujourd'hui les femmes sont dépourvues, et en dehors de tout cela, il faudrait pouvoir, l'islam, l'ijtihad devrait pouvoir continuer parce que le monde a changé. En dehors de tout cela, moi, citoyenne, on ne me permet pas de payer la moitié de mes impôts. Vous voyez, quand je vais acheter mon pain, je l'achète au même prix que celui que l'achète l'homme. Alors je ne vois pas pourquoi je serais défavorisée lorsqu'il y a une histoire d'héritage. Il va falloir en parler là aussi et arrêter d'être hypocrite. La Soumaïa, si vous voulez bien, je vais vous proposer de passer en revue un certain nombre de questions, comme le sujet est très vaste. J'ai pensé qu'on pouvait faire un quiz par association d'idées, lâcher quelques mots qui vous font réagir sur la question qui nous intéresse. Avec plaisir. Orgasme. Oula, orgasme, droit de l'homme. D'abord, ça existe en arabe Comment traduire? Pour l'homme. Pour l'homme, ça existe. Déjà, il n'y a pas de mots pour le dire, parce que les femmes ne parlent pas de leur orgasme. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. On utilise une expression qui est plutôt adressée aux hommes. Et on a du mal à le dire en arabe parce que ça passe pour chouma. On n'ose pas. On va dire orgasme en français, ça passe mieux. L'orgasme est exclusivement pour l'homme. Selon notre culture, la femme en a été privée, contrairement au précepte de l'islam, justement, qui recommande l'orgasme et pour l'homme et pour la femme. Préliminaire. C'est la même chose, c'est l'érotologie, l'érotisme, c'est ce qui permet à un acte sexuel d'être romantique et de ne plus être exclusivement bestial. L'islam. Il y a des hadiths très circonstanciés, exactement, très précis, je vous recommandant les préliminaires. Exactement, comme étant une satisfaction, je vous renvoie à l'imam al-Razali, par exemple, je vous envoie à Suyuti, je vous envoie à Raoud al-Hatir d'Al Sheikh Nafzaoui, et l'islam recommande, il y a des hadiths qui recommandent les préliminaires, et pour l'homme, et pour la femme. Adultère. L'adultère, permis pour l'homme, une très grande tolérance, ça sublime sa virilité et c'est une condamnation sévère, la pire des condamnations qui puissent arriver et la pire des hontes qui puissent arriver quand c'est la femme qui est adultère. Et même les jugements qui sont rendus dans les tribunaux, on accorde toujours des circonstances atténuantes à l'homme adultère qui, lui, n'a pas été satisfait. Des circonstances accablantes à la femme. Et accablantes à la femme parce que ça ne peut être que du vice. Homme battu. Ça existe. Ça existe. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a une association qui a été créée il y a 3 ans. Ça, je vous pose la question. Voilà, il y a une association qui a été créée. C'est pour rigoler. Non, pas du tout. C'est très sérieux. C'est très... Il y a des hommes battus. Nous n'avons pas de chiffres parce que les hommes n'en parleront pas. Mais il y a une association qui a ses relais à Casablanca, Mohammedia, Qasr al-Kabir, Tanger, Rabat, etc. Elle existe et ils font du travail. Mariage convenance. Zawaj Mouta. Oui, il est traduit par convenance, oui. Pour moi, c'est un concubinage qui n'a pas lieu d'être dans l'islam marocain. Non, il existe chez les chiites, mais pas les sunnites. Mais il faut dire que j'ai découvert que c'est une pratique qui existe au Maroc, notamment dans certains milieux islamistes. Qui n'ont pas envie de vivre dans Zina. Et ils ont inventé une sorte de Zawaj al-Mut'a,
Quand c'est de bonne foi, ça peut marcher parce que parfois ça aboutit au mariage. Je me suis rendu compte que parfois c'est utilisé de mauvaise foi et j'ai rencontré pas mal de filles mères qui ont été victimes justement de ce Zawaj Mouta. Le quota. Le quota, discrimination positive. Pas très démocratique, mais vraiment incontournable pour pouvoir instaurer, briser des obstacles et instaurer une réalité nouvelle. Vous diriez une nécessité ? C'est une nécessité qui me paraît incontournable. Comment vous réagissez au mot golf ? Les pays du golf, la région du golf. Pétrodollar, beaucoup d'argent, pas de solidarité avec les autres pays arabes. Je dirais également... Sous l'angle de la femme. Sous l'angle de la femme, le golf a contribué à faire, à développer la prostitution dans nos pays. Je dirais aussi qu'il y a des clichés, que les femmes marocaines peuvent, pas toutes, mais en tout cas elles peuvent être très mal perçues dans le pays du golf, qu'il y a des clichés. Il y a un dialogue à instaurer entre les deux, en toute sérénité. Il y a un scandale sur une série télévisée. Exact, ça relève justement de ces clichés. Bon, c'est ridicule s'indigner. Non, moi je ne pense pas que ce soit ridicule. Ah. Pour moi, non. Moi j'ai été moi-même indignée parce que je me suis sentie touchée dans ma dignité de femme d'abord et parce que dans les pays du Golfe, il y a des prostituées, certes, mais s'il y a des prostituées, c'est qu'il y a eu une demande. Hein, c'est la loi du marché. Il y a eu cette demande et il ne faut pas oublier quand même qu'il y a énormément de femmes diplômées ou non qui travaillent dans la plus grande honnêteté dans ces pays-là. Il n'y a pas que les prostituées. Sorcellerie. Sorcellerie, sœur. Oui, très développée, mais pas seulement au Maroc. C'est un mythe ou c'est sérieux? C'est réel. Une réalité? Non, c'est réel, c'est réel. Est-ce que le Maroc a la capitale de la sorcellerie? Non, non, mais là aussi il y a un cliché, mais il faut dire que l'attachement à tout cela est en train de se développer partout à travers le monde, et rien qu'à voir toutes les annonces de voyance, etc., qu'on voit dans les chaînes occidentales, par exemple. Il me semble qu'on est passé par une période où l'homme a beaucoup cru en la science. J'interroge l'anthropologue. La science peut-être a déçu et on s'est rendu compte que donc la rationalité ne finit pas par tout régler et il y a cette faiblesse de l'être humain. Mais la production de la sorcellerie au Maroc. Là, pardon. La production de la sorcellerie au Maroc. Ça existe. Il y a une très forte croyance. Oui, ça existe. Il y a une très forte croyance. Je pense qu'on ne peut pas définir un profil type puisque le profil est vraiment très, 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 très large. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, bon, ce qui est sûr, c'est que... Bon, dominante, marginale Je dirais plus ou moins dominante, plus ou moins. On y croit, en tout cas. D'accord. On y croit. Quand je dis « on », ce n'est pas moi, mais il y a cette croyance. Dernier mot du quiz, la Tunisienne. La Tunisienne, a fait beaucoup de chemin, effectivement. Elle est en quelque sorte un modèle pour le monde arabe. Quoique, disons, je peux dire qu'au niveau de la Moudouana, quand même, nous avons un petit peu, on s'est attrapé un petit peu par rapport à la Tunisienne. Sur le plan légal, c'est la plus protégée. C'est la plus protégée. Sa L'avortement force, est libre. Exactement. On protège, il y a une protection au niveau de l'héritage, même si le partage n'est pas équitable. Là, ils ont fait une grande avancée, effectivement. Et je pense que, d'abord, le secret, ça a été la scolarisation massive des femmes, puisque le taux d'analphabétisme est très, très réduit chez la population. Le grand apport de Bourguiba, exactement. Avoir scolarisé tout le monde, ça a été pendant l'indépendance. On va prendre du temps pour parler de vous, votre itinéraire. Bien. Alors, vous êtes née au lendemain de l'indépendance. Oui. Fès? Non. Non, je ne suis pas née à Fès, je ne suis pas Fassie, je ne suis pas d'origine de Fès. Je suis mariée à quelqu'un qui est Fassie. Moi, je ne suis pas originaire de Fès. Fès, c'est Casablanca et Mohammedia. Oui. Mon père est originaire, est né à Mohammedia, mais mon grand-père est arrivé du sud du Maroc, de Houara, qui est une tribu. Arabes du Sousse. Voilà, arabe en plein dans le Sousse. Et donc mon père est né à Mohammedia. C'est un résistant? Oui. C'est un ami Naman? Naman, oui. C'est mon papa. Oui. Il a été libraire? Il a été libraire, peut-être le premier libraire. Erwan. Exact. Maktabat l'Ikhwa, la librairie des frères, qui était un repère de résistants. Oui, Flehoubos, effectivement. Mariage avec une jeune femme, Rezouani. Rezouani Fatema, oui. Là, c'est la photo du mariage. Oui, c'est la photo de mariage de mes parents. Le père et la mère. Oui, oui. Au commencement, il y a eu un mariage
Et ma mère est casablancaise, elle fait partie des familles casablancaises de souche, parce que ça existe. Après la résistance, ça a été l'opposition, c'était un homme de gauche. Exact. Il a fait de la tôle. Oui, oui. Et à plusieurs fois. À plusieurs reprises. Proche militant de l'UNFP, de l'USFP. Exact. Tiens, là, il y a une photo de prison. Oui, c'est une photo. Alors, c'est votre mère. Oui. Avec vos deux frères. Exact. Qui est prise à Kenitra. C'est ça, à la prison de Kenitra, avec mes frères Jawad et Jalal. C'est une photo que j'ai prise. Lors d'une visite. Lors d'une visite à mon père à la prison. C'est une photo que j'ai prise en cachette des gardiens, puisque c'était interdit. Ça. Oui, beaucoup d'émotions quand je vois cette photo. 63. Ça devait être en 62 ou 63, effectivement. L'affaire du complot, j'imagine. C'est l'affaire du complot, effectivement. La mère est scolarisée. Oui. Vous êtes une fratrie de 4 filles et 2 garçons. C'est ça. Là, encore une photo de votre mère. Oui, et la photo vous êtes au milieu. Je suis au milieu. Avouez que je suis mignonne comme bébé. Oui, vous avez changé. J'ai l'air sage. Bien. École. Oui. Polo. C'est ça. Mission. C'est ça. Mais on ne parle pas le français à la maison. C'est ça. Mon père ayant combattu le protectorat, nous interdisait de parler français à la maison. Effectivement. C'est une bonne idée. Lycée Chaukri. Oui. Hansa. C'est ça. Baccalauréat. C'est ça. En 76, je crois. 76. Ensuite, oui. Paris. C'est ça. Sociologie, anthropologie. C'est ça. Voilà. Alors, docteur en sociologie. Oui. C'est la sexualité au Maroc. Oui, mon doctorat de troisième cycle, c'est ça. Ce qui a donné le livre Au-delà de toute pudeur. Ensuite, un doctorat d'État sur la ménopause, qui a donné encore un autre livre, qui s'appelle Printemps et automne sexuels. Puberté, ménopause, andropause et vieillesse au Maroc. Voilà. Paris, pendant 6 mois, vous êtes une jeune étudiante, disons, libre. C'est ça, j'ai toujours rêvé, poussée par mon père d'ailleurs, à aller faire mes études à l'étranger. Et pour moi, c'était vraiment le symbole de la liberté. Quitter les parents, vivre seule, avoir la clé de sa maison, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai passé donc 6 mois où j'ai été réellement libre. Vous n'étiez pas à la Maison du Maroc? Si, j'ai fréquenté la Maison du Maroc. Vous n'y habitiez pas? Non, je n'ai pas habité là-bas. Enfin, une petite période chez une amie, mais... Vous militiez? Non, je n'étais pas réellement militante parce que ma défunte mère a tout fait pour nous éloigner de la politique. Parce qu'elle disait, je n'ai pas envie de vous suivre dans les prisons comme j'ai suivi votre père. Mais pour moi, ça a été une époque assez intéressante, très enrichissante. Comment étaient les Marocains à Paris à l'époque? Écoutez, c'était les grands débats de l'UNEM. C'était très, très enrichissant. Mais d'un autre côté, je me suis retrouvée, moi, très spontanée, ayant toujours vécu dans un milieu de garçons. Je suis née avant 2 garçons, donc j'ai toujours joué avec les garçons. J'ai toujours eu des jeux de garçons. Mes meilleurs amis étaient des garçons. Et je me suis retrouvée dans un milieu où, lorsqu'une fille est avec un garçon, elle devient suspecte. C'est-à-dire que, bon, j'étais trop spontanée, je n'avais pas compris qu'étant dans un milieu de Marocains, il fallait que je fasse attention, qu'il y avait le condira-t-on, etc. Et donc, je me suis laissée emporter par ma spontanéité jusqu'au moment où je me suis rendue compte que ça jasait derrière mon dos. Et là, je me suis dit, bon, ma spontanéité, j'étais en France, c'était quand même assez paradoxal. En France, dans le pays de la liberté, il fallait que je me retienne un petit peu pour pouvoir sauver un petit peu les apparences. Le salut est venu par Chakib. Vous rencontrez Chakib. Oui, le coup de foudre. C'est le coup de foudre? À la Maison du Maroc, lors d'un anniversaire d'un ami. Il était étudiant en médecine. C'est ça, il était parti faire sa spécialité en radiologie à Paris. Oui. Et donc? Et depuis, on ne s'est plus séparés. Vous êtes mariée 4 ans après. Maintenant, bon, je crois qu'il y a prescription. Il y a prescription, je peux le dire. Nous avons vécu maritalement pendant 4 ans, sans que la famille le sache. Alors, je ne vous dis pas la galère pour pouvoir cacher tout ça aux parents. Mais effectivement, depuis le jour où on s'est rencontrés, on ne s'est plus quittés. C'est une bonne chose. Je pense que pour nous, ça a été une très bonne chose. Le laisser pendant 4 ans. Oui, parce que ça nous a permis mutuellement de découvrir la partie cachée de l'iceberg de chacun de nous deux. Ça nous a permis vraiment de mieux nous connaître et de prendre la décision raisonnée de se marier sans aucun regret. Donc il n'y avait plus de surprise. Quel est le secret de cette longévité? Quelle est la recette? Écoutez, il me semble que d'abord la recette, c'est l'éducation qui est très importante et c'est l'éducation des hommes. Mon mari a été élevé par une femme, l'Irhamha, qui avait beaucoup de respect pour la femme et qui a vraiment élevé ses fils dans le respect de la femme. Elle leur a toujours dit, n'oubliez pas, vous êtes sortis d'un ventre de femme. Je pense que c'est très, très important. Donc c'est la belle-mère
qui est votre secret? Premièrement, je dirais. Ensuite, bon, c'est le comportement, c'est le respect de ma liberté, c'est un respect mutuel. Et c'est surtout la communication et le dialogue et vous la tolérance. Vous avez eu deux enfants, oui. Deux filles, Selma et Ilham. Et Selma, oui, oui, oui. La photo de famille. Voilà, je les adore. Oui. Et votre mari? Oui, avec Shakib. Oui. Il a fait aussi des études proches des vôtres. Oui. Il a fait de l'anthropologie. C'est ça, il a fait un doctorat en anthropologie politique à Paris. Oui. Et un travail sur le travail des enfants. Entre autres, oui, une publication sur le travail des enfants au Maroc. Le livre s'appelle Exploitation de l'innocence. De l'innocence, oui. Vous travaillez aussi ensemble? Oui. Vous écrivez des livres ensemble? Oui, ça c'est un La grossesse de la honte, vous l'avez écrit ensemble? C'est ça, ce livre sur les filles mères au Maroc, nous l'avons écrit ensemble, c'est insolite. Vous avez écrit sur la précarité, oui. Sur le viol. Oui. Comment on travaille ensemble quand on est marié et femme? Eh bien, comment on écrit à quatre mains? Comment on écrit? C'est une excellente expérience. Qui permet, elle est excellente, oui, parce que ça permet... complémentaire. On est complémentaire, puis ça permet de déplacer les conflits personnels vers des conflits intellectuels. Donc on est sur une autre... C'est-à-dire, au lieu... Mais nos filles sont parties, donc on est seules à la maison. Et au lieu de se retrouver seules face à face comme Tom et Jerry, dans l'oisiveté, la routine, on s'est mis à écrire ensemble. Et ça a canalisé toute notre énergie vers quelque chose de positif, de noble, qui est celle de la réflexion, d'un partage, d'un champ intellectuel, et ça nous a permis de nous enrichir, de lutter contre la monotonie. Bon, ça ne se passe pas toujours dans la gaieté, parce que bon, il y a des confrontations par moments, mais d'idées, nous ne sommes pas dans le relationnel, ce qui est quand même beaucoup plus noble. Qui écrit le plus? Je serais incapable de dire. Vous partagez les sujets? Nous partageons les sujets, puis ensuite nous faisons... Qui écrit plus facilement? Shakib écrit assez facilement. Sauf que étant médecin, il a plus cette vision du scientifique, des chiffres. Moi, je suis plus dans l'émotionnel, et lui, donc ça fait finalement, je pense que ça fait. Il y a pas un partage. Il y a un partage. Partager ensemble, il n'y a pas une spécialité de l'un, une spécialité de l'autre. Si, le partage, il est là. Lorsqu'on prend un sujet pour travailler ensemble, il y a le partage de la même vision, du plan, des mêmes hypothèses à vérifier, etc., de la méthodologie. Mais bon, moi, je trouve que nous faisons un bon couple, si vous voulez, au niveau de l'écriture, parce que lui, il a aussi cette vision du médecin qui permet de rester toujours dans la rigueur scientifique. Les deux filles sont aussi des grosses têtes. Oui, oui, oui. On a essayé. Selma était graduée. C'est au Canada? Oui, elle a fait HEC Canada. Elle a fait HEC Canada. Ça, c'est une photo très émouvante que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment. Je me dis, là, je sens que j'ai réussi. Nous, à mon mari, moi-même, Shakib et moi-même, nous avons réussi l'éducation de nos enfants. Ilham, lors de sa graduation également, elle a fait HEC Montréal, pour être originale, oui. C'est la fierté des parents. Elles ne sont pas tentées par la révolte, les filles? Il paraît que les enfants se révoltent contre les parents. Oui, elles se révoltent. D'après le docteur Freud. Vous savez, oui, oui, c'est vrai, mais bon, oui, 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 oui. Inévitablement, elles vous mettent face à une réalité, c'est que vous pouvez être dépassé. J'ai toujours pensé, je le pense, que je suis une femme très moderne, avant-gardiste. Et souvent, elles me mettent face à la réalité en me disant « Maman, tu es dépassée ». Exemple? dans une prise de décision, par exemple, quand je me mets à argumenter, « Maman, attends, tes arguments, ils datent de l'autre millénaire. Hein, le monde a changé. » Et puis bon, c'est un cas concret. Ça me vient pas là à l'esprit, mais disons qu'on a toujours l'impression qu'on est, qu'on se projette, qu'on est avant-gardiste, mais on est toujours dépassé par les nouvelles générations, ne serait-ce que dans l'utilisation, par exemple, de l'outil Internet, etc. Et puis dans cette larguer. Et puis dans cette appartenance à l'universalisme. Nous, moi, je m'inscris beaucoup plus. Je suis marocaine, ma patrie, mon pays, etc. Elles sont citoyennes du monde. Voilà, citoyennes du monde. Voilà. Et c'est là, maman, tu peux pas comprendre. On va continuer, pour terminer, à feuilleter l'album de famille. Là, vous êtes à Bijad, je crois. Bijad, c'est une cité magique, féerique, que j'aime beaucoup. Oui, c'est le mausolée d'El Bouadid Sharqi. C'est une cité magique qui est méconnue par les Marocains.
Et qui est vraiment féerique, qui a connu ses heures de gloire. Notre ministre d'intérieur en est issu. Oui, Moulaïté Chalkaoui, mais c'est vraiment magique. Je vais très souvent là-bas pour me recueillir. J'y ai beaucoup d'amis. Et ils ont une sorte, ce qu'on appelle l'aïmara, c'est-à-dire dhikr dialoum, qui est vraiment très, très particulier et qui vraiment apaise l'âme. Vous y allez régulièrement? J'essaye d'y aller aussi régulièrement que je peux. Vous avez aussi des hobbies? Ah oui, ça c'est à Toubkal. Oui, c'est lors de. On s'apprêtait à faire la montée du Toubkal. C'est la nature. Le Maroc est un très très beau pays, malheureusement pas très connu, ni exploré assez par les Marocains. Et mon repos, justement, c'est ça, c'est la nature. Vous avez une renommée internationale et vous êtes arrivé à être invité un peu partout, dans les universités. C'est vrai. J'ai trouvé une photo à Moscou. Ah oui, je n'en ai aucune. Du temps du RSS. Je ne garde pas de photo. Oh tiens, c'est émouvant ça, oui. J'avais été invité en 89 avec ma famille. À l'occasion de la publication, enfin de la traduction de Au-delà de toute pudeur en Russie. Et nous avons découvert un très beau pays. Nous avons découvert, grâce à cette invitation du gouvernement, l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, Tashkent, Boukhara, etc. C'était assez amusant parce qu'on a été reçus avec, avec énormément de, je dirais, comme des rois, on a été reçus. Mm-hmm. Et on nous appelait Madame la Savante et mon mari, c'était Monsieur le Savant. Vous vous rendez compte que c'est bien pour son égo d'être appelé ainsi. À propos de roi, on voit c'est un vrai qui vous a décoré. Oui, oui. Sa Majesté, c'est Sa Majesté qui vous a reçu, qui vous a décoré. C'est oui. Quelle année? C'était il y a 2 ans à l'occasion de la fête du trône. Et quelle décoration? Alors j'ai été décorée de la médaille du mérite culturel de l'ordre de commandant. Et ça a été un moment de très, 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 très forte émotion pour moi. J'ai eu plusieurs distinctions dans la Légion d'honneur française. Mais j'ai toujours été déçue de ne pas avoir été reconnue dans mon pays. C'est fait. Et là, maintenant, c'est fait. C'est fait. Et j'en suis très fière. En conclusion, je voudrais vous demander... Est-ce que vous pouvez dresser le portrait de la Marocaine? C'est quoi la Marocaine aujourd'hui? La Marocaine est une femme croustillante, très coquette, qui a su avoir un bon dosage entre modernité et tradition, responsable, militante. C'est vraiment du militantisme de tous les jours et de tous les instants. Sauf qu'elle mérite d'être dans un environnement qui la protège plus. Ça, c'est la Marocaine des villes, c'est pas la Marocaine des champs. Je parle de la Marocaine aussi des champs, qui fait un travail fabuleux pour changer les choses. Effectivement, la mère rurale fait un travail fabuleux pour ses filles. C'est elle qui veille à ce que ses filles soient scolarisées, effectivement. Donc, elle est battante, effectivement, elle mérite beaucoup de respect. Elle n'est pas assez valorisée comme elle devrait l'être, pas autant qu'elle devrait l'être, malheureusement. Je dirais aussi que peut-être que par moment, elle devrait penser à cultiver un petit peu plus son esprit et surtout se libérer du dictat des apparences et de la psychose des apparences et du regard des autres. Donc vivre pour elle-même. Donc on peut terminer en disant comme on a commencé, vive les femmes. Vive les femmes. Et vive les Marocaines. Et vive les Marocaines. Si vous permettez, je vais vous infliger un petit jeu qui s'appelle l'autoportrait chinois. La Soumia, si vous étiez une fleur. Je refuse d'être une fleur, je voudrais être un arbre. C'est masculin, un arbre. Oui, mais je l'aime bien, cet arbre. C'est le seul pleureur, mais dans sa nomination arabe, c'est-à-dire Souel Flordra. Ah. Je trouve ça magnifique. C'est les cheveux de la Vierge. C'est les cheveux de la Vierge, c'est un arbre généreux, beau. Un pays d'Europe. J'aime bien l'Andalousie. Je trouve que le mélange de civilisation arabe et occidentale c'est l'Europe arabe. Oui, l'Europe arabe, très bon mélange. Une époque. La mienne. Que je trouve magnifique. Une grande femme. Fatima Mernissi. 1m80. Oui. un grand homme. Un grand homme. Je pense particulièrement, j'ai une douce pensée pour Mohamed Harkoun. Mohamed Harkoun, que nous venons de perdre. Un péché. La gourmandise. Une vertu. Je dirais l'éthique. L'éthique, si l'éthique peut être une vertu. L'éthique. L'honnêteté, quoi. L'honnêteté. Voilà, c'est terminé. Il vous reste à poser une question, celle que vous voulez. Une question. Je vais vous demander pourquoi vous ne m'avez pas interrogé sur l'andropause
Alors que j'en ai parlé tout à l'heure, vous n'avez pas rebondi sur le mot, alors que j'ai fait au niveau au printemps et automne sexuel la seule étude au Maroc qui a été faite sur l'andropause, vous ne m'avez pas interrogé. Est-ce pour conserver le mythe de la virilité que vous avez passé sous silence le mot andropause? Certainement, inconsciemment. Merci madame de nous avoir écoutés, merci monsieur. Cette émission prend fin et vous pouvez nous écrire, vous connaissez l'adresse. Mais encore @2m.tv. Bonsoir.